T'es recalé, pourquoi? Je sais pas, je suis belge. Et alors? Bah, j'ai une tête de belge et apparemment, quand t'es belge, tu peux pas. Non, non. Concrètement, donc, tous ceux qui vont passer par le comptoir en provenance de pays européens vont passer le check-in. Tous les ressortissants belges vont être stoppés au check-in. Voilà. Donc eux ne passeront pas le check-in. Où il y a plus de Léonidas et de Bata que de Gambas. On y va tous, 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 à Torre Molinos. 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 Mais quand il pleut, c'est génial. On s'est posté des gars. On y croit encore. On a encore envie de partir. Des amis du camping, avec Sumer, ce Sumer, avec Erdour, c'est l'année et le retour, avec Neckermann, c'est génial, avec Nouvelle Frontière, c'est pas cher, on ira tous, 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 à Torre Molinos, tous, 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 à Torre Molinos. Eric, tu les vois partir là? Les vois partir et je trouve ça génial. Oui. Et c'est ce qu'on veut pour tous les autres, là, qui sont assis, qui attendent, qui sont punis. Quelque part, ils sont punis par l'État belge. Et ils ont tout à fait le droit, c'est des Européens comme les autres. Et la liberté de circulation des personnes, elle doit être respectée pour les Belges aussi. Le but de l'action est finalement assez simple et très symbolique. On demande à l'Union Européenne finalement d'installer une harmonie, une cohésion au niveau des pays, au niveau des États membres. Parce que depuis 2-3 mois, c'est vraiment devenu très très compliqué, et pour les Belges en l'occurrence, car on voit des Belges partir de l'étranger vers des destinations pour lesquelles normalement nous ne pouvons pas partir, pour lesquelles des destinations interdites. Et donc on demande vraiment une cohésion, une cohérence par rapport à cela, parce que pourquoi le Belge est puni et pas les autres? Donc ça c'est très important, et c'est ce qui aussi nous décrédibilise au niveau de nos clients. Et c'est vrai que hier par exemple le ministre a annoncé que les zones rouges n'étaient plus interdites, mais ça ne change pas finalement grand chose, puisque sur une zone rouge, la 14-1 est toujours de mise. Pour nous, ce qu'on demande vraiment, c'est vraiment une cohésion, une cohérence au niveau des États. C'est très très important, parce que c'est comme ça, je pense, qu'on peut s'en sortir à court, moyen et long terme. Évidemment, nous sommes responsables, nous savons que la situation est compliquée au niveau sanitaire, nous ne sommes pas inconscients et nous ne voulons pas envoyer nos clients à l'étranger dans des destinations, on va dire, entre guillemets, problématiques au niveau de leur santé. Mais je pense qu'en passant par une agence de voyage professionnelle, on peut encore partir en vacances, on peut encore visiter des pays avec des mesures sanitaires tout à fait appropriées et revenir en bonne santé. Je pense que tout est possible. La société se réouvre petit à petit aussi, et donc on doit pouvoir faire partie de cette ouverture, et je pense qu'il ne faut pas nous oublier. Et c'est aussi ça qu'on voulait montrer aujourd'hui, haut en couleur, montrer les couleurs, faire preuve un petit peu d'optimisme et dire qu'on est encore là et qu'on est bien présent, se baser sur l'harmonie au niveau des États membres. Je pense que c'est très important. On dit union, mais qu'on soit vraiment alors pour une fois unis. C'est vraiment du travail plus embêtant qu'autre chose, puisqu'on détricote tout ce qu'on a fait depuis des mois, en fait, tout ce qui a été annulé, reporté. On a certains dossiers où on a dû revenir 3 ou 4 fois, et au final, on doit quand même annuler et quand même rembourser, donc on gagne rien, et alors qu'on a travaillé beaucoup plus que de normal. Quoi. Donc, et puis nous, ici, maintenant, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est le problème de la non, enfin, que les couleurs ne sont pas uniformes pour tout le monde. Nous, on a une agence frontalière, on est à côté de la frontière française, et en fait, les clients viennent annuler leur voyage, se faire rembourser, et une semaine après, on apprend qu'ils sont quand même partis parce qu'ils ont réservé en France, et en France, c'était pas interdit, par exemple. Donc, nous, on est vraiment touchés de plein fouet par ça, et les gens ne comprennent pas pourquoi, uniquement du fait qu'ils sont belges, ils n'ont pas le droit d'aller dans certains endroits qui sont tout à fait sûrs, voire plus sûrs qu'en Belgique, quoi. Moi, je ne peux pas partir. Et toi, tu ne peux pas parce que je suis belge, on ne peut pas quitter la Belgique. C'est trop dangereux à l'extérieur. Et c'est absurde, parce que toute l'Europe peut voyager sauf la Belgique. Quoi. Exactement, maintenant, mais d'un côté, je sais pas, je vais te mettre un maillot français, je peux te passer. J'ai des clients qui partent de France, j'ai des clients qui partent d'Allemagne, j'ai des Pays-Bas, sans aucun problème. Ils sont belges, hein. Mais ils peuvent là-bas. Mais moi, je ne peux pas partir, chez moi.
Nous sommes ici pour une couleur, une Europe, c'est-à-dire qu'on veut une synchronisation et une coordination entre les différents niveaux européens et pays européens pour pouvoir voyager, que tout le monde soit sur le même pied d'égalité pour pouvoir voyager en Europe. Qu'aujourd'hui les Belges puissent aussi partir dans les destinations que fréquentent aussi les Français, les Hollandais et les Allemands depuis 3 ou 4 mois, depuis la fin du déconfinement. Voilà, on est là pour ça, et que ce soit synchronisé, que ce soit synchronisé au niveau de l'Europe, en respectant bien entendu toutes les conditions d'hygiène actuelles à cause du Covid-19. On est en train de se rassembler pour demander que l'Europe ait une politique commune sur les restrictions de voyage qui sont accordées aux différents pays, aux différents ressortissants. Voilà, nous ne demandons pas simplement une ouverture des frontières, nous n'allons pas à l'encontre des avis scientifiques, mais bien une harmonisation des consignes. Merci. Ce n'est pas normal qu'un Luxembourgeois puisse partir de Luxembourg ou un Belge puisse partir de Luxembourg et non pas de Bruxelles. Je pense qu'il était temps qu'on ouvre la liberté aux Belges de pouvoir voyager, à savoir qu'on était le seul pays en Europe à ne pas pouvoir voyager et qu'on ne pouvait même pas voyager dans nos pays voisins. On le sent parce qu'on n'a pas pu vendre aux Belges parce qu'on nous a demandé de ne pas le faire et on l'a respecté. Donc les Belges, on ne leur vendait pas du départ de Lille, alors que les agences frontalières autres en France, en Luxembourg, en Allemagne, en Hollande, vendaient à nos clients qui partaient sans restriction. Et pire que ça, c'est que la Belgique a interdit au niveau des douanes aux Français de voyager. Nos clients français avec lesquels on travaillait, qui créaient une économie chez nous, ont été interdits de passer la frontière parce qu'elles étaient en Belgique. Donc on a fermé le pays vers l'extérieur et on l'a également fermé à d'autres ressortissants européens. Ce qui est totalement illogique d'interdire un Français de partir de Bruxelles puisque son pays le permettait en fait. Donc c'est pire que ça, c'est qu'on a enfermé les Belges en Belgique et on a interdit les gens de partir de Belgique alors que c'était autorisé. Il fallait des règles, mais pas ces règles-là.